Dans le paquet! Bienvenue à Dans le paquet. Cette semaine, nouvel épisode de Fat Pack Friday. Cette semaine, on a un paquet de Extended Series de cette année. Et un paquet de Parkhurst de cette année aussi. On a eu pas mal de chance avec des Parkhurst là, dans le dernier épisode. Là, je parle surtout à cause de notre petite Spencer Knight. Numéroté 99 sur 99. Plus facile à avoir de notre petite Trevor Zegras. Puis on parle de Zegras. Je sais qu'il n'y a pas de gros nom dans la Extended de cette année. Mais si on peut avoir une belle Young Gun dans ce paquet-là. Alors on va commencer avec les Parkhurst. Un petit peu plus de contenu dans les Fat Packs. J'ai eu un ou deux Fat Packs là, de series de cette année qui contenaient absolument rien d'autre que des cartes de base. C'est un peu décevant quand ça arrive. Ici, on a 30 cartes par paquet pour les Parkhurst. Alors ici, on a Josh Norris, Philip Zadina, Tom Wilson, Riley Smith. Le zoom se fait moyennement bien. Oui, elle est comme ça. Riley Smith, Anthony Beauvillier. Ici, on a Marco Scandella, Charlie McAvoy, Thomas Grace, Eli Tolvanen, Jussi Saros, Johan Larsson, Jesperi Kapanen. Oh, ici, on a une prominent prospect de Alex Newhook. Nice. Popé. Les Parkers sont souvent des inserts assez brillantes. Alors, Alex Newhook ici. Ensuite, on a une silver de Adam Henrique. Une rookie de Brett Murray. Je pense que c'est pas mal tout ce qu'on va avoir. On a peut-être une autre rookie plus loin. Phil Kessel. Ici, on a Barkov. Ah, une autre rookie d'Adam Ruzicka. Cam Talbot, Dylan Strome, Logan Couture, JT Miller, Nick Paul, Adam Ernie, Alexia Farlow, Brian Rust, Seth Jones, Oscar Clefbaum, Drew Doughty et finalement Jamie Benn. Alors, on dit nos quatre hits du paquet sont ici, deux recrues, Adam Ruzicka, Brett Murray et Adam Henrique. Et Alex Newhook. Donc, on va suivre avec premier le Fat Pack là, de Extended Series 2021-2022. Comme je le disais, j'en ai jamais ouvert à date. On va voir ce que. On va voir si on peut avoir un peu de chance. D'habitude, dans Extended, il y a beaucoup d'inserts assez cool. Là. Est-ce qu'on a quelque chose? On a peut-être une Young Gun. Non, on a quelque chose de gold. On va voir si je peux pas le garder pour la fin. Bon, on va y aller comme ça. Si on a David Savard. André Case. Si on a Aiden Fleury. Puis pour les... C'est vrai. Je pense pour les Extended. Sur les... chandelles du... Pas les chandelles du Kraken, mais les cartes du Kraken. Ici, on a... Tu vois, ici, il est écrit... Inaugural Game. Donc, il y aura juste une petite mention là, sur les cartes du Kraken. Je trouve ça cool. Doug Hamilton. Jumbo Joe Thornton. Brad Marchand. NHL All-Star First Team. Je sais pas si c'est une variante spéciale ou s'ils ont juste... Pour remplir, là, ils ont mis des nouveaux. Ici, on a Brad Marchand. Ensuite, Jeremy Lauzon. Mitch Marner. D'après moi, non. C'est juste les Extended qui sont rendus comme ça. Là, avec comme ils faisaient les All-Stars l'année passée. Alex Goligoski. Ici, on a Brandon Tanev. Anton Strahlman. Evander Kane. Ian Cole. Derek Stepan. Alexander Wenberg. Zach Hyman, Alex Chiasson. Ici, on a Ryan Ellis, qui est blessé pour toute l'année. Jakub Voracek. Dan Vlador, je ne connais pas.
David Kemp, Luke Kunin, Marc-André Fleury. Là, on approche ce que je voyais là à la fin. Ouh, j'ai vu un nom. Nice. Checklist. Seth Jones. Je pense qu'on va y aller avec. Je pense que c'est une Young Guns qui est à la fin. Ouh, nice. Young Guns de Mathias Norlinder. Comme on a un fan du Canadien, on dira pas non. Nice, vraiment nice. Et finalement, la carte que je voyais ici. Ouh. Une gold stockpile de Connor McDavid. Allez, le zoom, fais-toi comme il faut. Focus, focus, focus. Ah, voilà. Alors, le petit logo gold en haut. Gold stockpile, Connor McDavid. Faut vraiment que je regarde où est-ce qu'il y a le paquet. C'est quoi les odds? Si c'est numéroté, je vais regarder deux petites secondes. Après vérification, es-tu numéroté en plus? Non, ça a été trop beau. Je sais pas c'est quoi là, ma chance avec les fat packs ou les paquets. Les paquets tout seul, là, mais une gold stockpile, c'est 1 sur 80. Puis faut qu'on tombe sur Connor McDavid. Pour vrai, là, j'en reviens pas. Encore. Alors, sur cette magnifique fin d'épisode de Fat Pack Friday, on dira pas non là, à notre un petit Young Gun de Mathias Norlinder, mais surtout, 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 la Gold Stockpile de Connor McDavid. En plus, avec un design rétro, là. Je sais pas si c'est un design rétro, genre, il me semble 2005 ou 2006, quelque chose comme ça. C'est vraiment parfait. Alors, si vous avez aimé l'épisode, là, n'oubliez pas de liker et surtout, surtout, surtout de vous abonner à la chaîne. On est aussi sur Instagram. Alors, on se voit dans un prochain épisode de Dans le paquet.